appelons devant vous le coordonnateur de la chorale Salomon Abezo. Il y a ceux qui sont à Londres avec nous. Ils ne peuvent pas vivre en Guinée équatoriale. Massias, 11 ans, et Obiang, 36 ans. Nous demandons au président de la Guinée équatoriale, au monde entier, où est l'indépendance? Notre position aujourd'hui, l'opposition en bloc de la Guinée équatoriale, est toujours le même qu'hier. Depuis 36 ans, notre pays entre les mains d'un seul homme, le dictateur président Obiang Nguema Mbazobo. Selon la déclaration de l'ambassadeur M. Oyonondo Mifumu ce matin, qui déclare que Obiang doit présenter aux élections de l'année prochaine. La vraie date de naissance d'Obiang, personne ne le connaît pas. Mais normalement, nous qui sommes le fils de pays, Obiang a 82, 85 ans. Et comme il avait falsifié parce qu'il veut être au pouvoir à vie, il se dit qu'il a 68, 70. Chaque année, on célèbre Obiang à 68. Prochaine année, Obiang à 60. L'année prochaine, Obiang à 79. Nous, on ne sait même pas. Les élections seront convoquées d'ici n'importe quel moment. Mais c'est Obiang qui va encore se présenter. Après 36 ans au pouvoir, vous voyez les images de notre pays, ce qui vit nos enfants, ce qui vit nos frères, la misère. S'il y a 25 immeubles en Guinée équatoriale, ce sont des immeubles de terrorisme. Si on dit qu'il y a l'argent en Guinée équatoriale, c'est la famille d'Obiang avec ses collaborateurs. Mais les Guinéens équatoriales, qui n'atteignent pas 700 000 habitants, ils vivent dans la misère. Moins de 50 centimes d'euros par jour. Et il y a même les familles qui n'ont absolument rien. Mais si vous me trouvez en route, je vous dis, je suis la Guinée équatoriale. On vous a dit, c'est le pétrole. Vous regardez, c'est la Guinée équatoriale, c'est le pétrole. Les pays voisins, ils sont en vie de la Guinée équatoriale. Mais allez en Guinée équatoriale, vous voyez la vérité de la Guinée équatoriale. Ou bien on se dit, le père de l'Afrique, panafricanisme. Mais quand je vois des images à la télévision, chaque semaine, chaque mois, deux, trois avions pleins des immigrants. Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, expulsés dans des avions. Avec des accords qu'il a avec son fils, Boni Yayi de Bénin. Je veux dire, c'est son fils. Pendant que nos enfants n'ont pas des écoles, pendant qu'en Guinée équatoriale, il n'y a rien, pas de maisons sociales, mais on est en train de construire des universités au Bénin, à Cotonou. Ceux qui connaissent la Guinée équatoriale, les Camerounais, dans des prisons, vous allez trouver plus de 300 à 400 000 Camerounais et Gabonais, on peut aussi, dans des prisons, toutes les prisons en Guinée équatoriale, chaque colonel a au moins 25 Camerounais qui travaillent dans sa maison gratuitement, juste parce qu'on va lui donner une recensement, une petite papier résidence. Bon, je donne résidence 25 ans, bien, je ne vous paye pas, vous travaillez avec moi, mais après, vous cherchez vos petits bricoles dehors. Ceux qui disent non, sont en prison, ou ils sont tués et on les martèle. Mais celui-là, c'est dit le peur de l'Afrique, le peur de l'indépendance. Quelle indépendance? Si je traverse un peu la frontière, le Cameroun ne parle pas de la Guinée équatoriale. Le Tchad ne parle pas de la Guinée équatoriale. Le Gabon ne parle pas de la Guinée équatoriale. Pourquoi? S'il y a la démocratie en Guinée équatoriale, il y aura la démocratie en Afrique centrale. Nous voulons la démocratie en Afrique aujourd'hui. Obiang, le président le plus vieux de la planète, on demande son départ immédiat. Nous demandons la démission de Teodoro Obiang Nguema Mbazobo.